élan démocratique pour la majorité et de saluer la presse parler écrit télévisé en ligne qui est là dans ce là avec nos matériaux. Nous saluer aussi nos collaborateurs qui sont dans le territoire partisan qui assistent nous pour la conférence de presse matin. Nous saluer tous les sympathisants et le peuple haïtien en général qui a traversé un moment difficile dans l'histoire nous, dans le pays nous. C'est la première fois que la population fait face avec toutes les difficultés tant sur le plan politique, sur le plan social, économique. Et parce que le peuple haïtien nous voulait dire pour le monde entier que nous avons traversé un moment qui est noir, un moment qui est très difficile pour nous pas capables encore dans l'histoire. Nous rencontrons la presse matin et pour nous faire un appel à plusieurs secteurs qui sont dans la vie nationale là, et sous crise politique là, et positionner nous sous fin mandat président qui a arrivé 7 février 2021 très bientôt là. Nous prenons 53 jours. Nous rencontrons la presse, c'est sous l'ordre, loi qui pote formation, fonctionnement et financement parti politique. Loi ça, c'est la loi 7 janvier 2014. Là. Et parole n'a pas parlé là, autorité nous gagne pour nous parler parole ça, sorti dans l'article 6, loi ça, la loi du 14 janvier 2014 qui fixait 11 éléments en dans fonction parti politique, en dans société. Et dans 11 responsabilités ça que la loi 7 janvier 2014 là li fixé, nous avons cité la donne 4 dans responsabilité yo qui interpelle nous et qui fait nous autres parti élan démocratique pour la majorité pas responsabilité nous pour nous faire appel ça à toute société haïtienne là. Dans article 6 là alinéa 1er qui c'est petit a, il dit que le parti politique doit prôner le respect de la Constitution et des institutions publiques nationales. Le deuxième alinéa, le parti politique doit promouvoir et défendre les intérêts du peuple haïtien. Troisième responsabilité, le parti politique doit servir d'intermédiaire entre l'État et la société et représenter les intérêts légitimes du groupe ou catégorie sociale définie. Et huitième responsabilité, c'est promouvoir les valeurs républicaines et l'état de droit. C'est sous responsabilité ça que parti politique a gagné suivant la loi du 16 janvier 2014 que élan démocratique pour la majorité était déjà par rapport à toute dérive régime en place là fait, était déjà saisi la Cour des comptes pour demander la Cour des comptes éliminer deux décrets qui portaient préjudice à droit moun en Haïti et à peuple haïtien en général. Notamment, décret yo prend en mars 2020 sous 4 des malogues. Et deuxièmement, et CEP provisoire monte tête en bas qui n'est pas conforme avec la Constitution. Nous demandons la Cour des comptes pour éliminer deux décrets. De plus, nous avons saisi le correctionnel, au correctionnel. Et 9 membres CEPIO qui usurpent et jusqu'à présent, Mounsayo Boko Jom prêté serment devant la Cour de cassation et nous avons absal institution qui est de CEPIO. Nous avons détourné l'argent taxe population. Et nous autres, nous demandons la Cour des comptes et la justice haïtienne pour prendre responsabilité pour nous commencer à éliminer deux décrets. Nous venons faire un appel à toute parti politique qui est dans le pays, à toute organisation de base, avec toute religion, toute entité dans la religion, l'église catholique, l'église protestante, que y aurait des cultes réformés, vaudouisants, et j'en passe. Et nous faisons appel à regroupement politique, à société civile là, en général, à l'université et la presse. Pour ne pas appliquer la politique de l'Autriche, il y a un danger à venir,
Il y a un 7 février 2021 qui vient là, qui commence à préparer pour sauver à Saint-Domingue, qui prépare pour à Miami, pour dire bon catastrophe qui va en Haïti et on pas prendre responsabilité. Nous faisons appel ça pour faire un dépassement de soi et pour nous arriver à prendre en disposition, même si disposition n'est pas tout à fait ça et d'emblée, tout à fait ça et la balazle ou petite Dessalines ou n'importe l'autre structure politique, ça le meilleur font dépassement de soi pour nous essayer d'arriver vers une proposition unique pour nous mettre sous table et pour le peuple avec le monde entier qu'on est côté nous aller pour 7 février. C'est vrai, nous renfermons nous en dans proposition, on groupe ou on l'autre, mais tellement de propositions. Nous autres propositions Kadoa, collectif des députés de l'opposition et alliés, oui, nous gagnons. Mais nous avons une bonne autre entité qui gagne des propositions aussi. Nous voulons à ce que nous gagnions d'ici mi-janvier, nous avons une seule proposition et peuple qui besoin d'assurance, peuple qui besoin de proche journée jeudi, qui besoin de côté de aller à qui celle doit vouer, pour qu'on connaisse une seule proposition et toute entité ça nous sommes cité là, nous d'accord avec elle et pour nous dire, mais qui j'en passe à son pouvoir fait 7 février 2021, mais qui j'en gouvernance dans le pays. Et pour qui ça? Nous faisons constat, peuple haïtien doit connaître jeudi, nous gagnons. Il y a deux propositions qu'on mettait sous table. Comme si, dans l'opinion, soit autant de l'en bas, ou bien autant de l'on est qui prend responsabilité, pour le dire. Pas gagné à sortir de là. Constitution haïtienne, la Constitution 1987 amendée, il dit que le mandat président l'a fini 7 février 2021 qui a venu là. Moun yo dit qu'il y a deux tendances dans la rue. C'est soit nous faisons transition avec Jovenel Moïse, ou bien nous faisons transition sans Jovenel Moïse. Moi-même, nous-mêmes dans EDEM, nous jetons la première proposition pour nous mettre dehors, pour dire que nous faisons en transition avec Jovenel Moïse. Pour qui ça? Que nous jetons la première tendance, la première proposition. C'est parce que nous allons sur les faits, nous allons sur les résultats. Personne ne peut dire, depuis tout mandat Jovenel Moïse, là, jusqu'à ce qu'il arrive dans le fin mandat là, que l'été bail résultat dans un dossier quelconque. Nous n'avons personne résultat que Jovenel Moïse bail, sinon il a massacré le peuple haïtien dans le quartier défavorisé. Il a continué de détourner l'argent, il a pris un cop d'action. Nous songeons l'histoire de caravane changement, nous songeons toute qualité massacre qu'il a fait, c'est ça que vous pouvez seulement comme résultat. Et en plus, ça a été fait, il a cherché des étrangers, notamment des mercenaires, pour venir tuer les haïtiens en bas à la tête. C'est empêcher nous de manifester. C'est craser des institutions, notamment comme la police nationale d'Haïti, comme CEP, ou écraser, comme la justice, ou écraser, l'innommer des juges corrompus. Et jusqu'où nous pouvons connaître qui est ce non-juge, qui fonctionne, qui paye dans l'appareil judiciaire, qui va laguer nous dans des difficultés. C'est cacher, rapport pétro-caribéen, nous ne pouvons pas à ce que haïtien jeune jugement, jeune justice, ni jeunesse haïtien pour une côté libre aller. C'est ça qu'on gagne comme résultat. Nous gagnons violation constante et très pointue des droits humains. Yo viole les droits nous à longueur journée, yo tuer petit bébé, yo tuer petit moun, yo tuer grand moun, yo tuer jeune sans yo pas gagner. Au genre yo pas gagner une justice qui capable porter pour yo et un élément qui capable décider pour dire mais qui est à condamner et mais qui est yo pas condamné. Yo instauré yon insécurité. Yo mette zam nan men jeune yo, yo te kon faire payroll pour gang yo pas faire encore yo rater sous payroll yo, pour ces population civile là y a kidnapper pour yo joindre corps pour yo continuer faire ça yo doit faire. Yo mettez yon crise institutionnelle, yon krasé institution yon, toute qualité institution yon, soit yon fait des décrets tête en bas pour krasé yon, entre yon l'autre. Nous sommes le dernier décret en date de l'Océanie qui lui-même vassalise la police nationale, qui vassalise UCREF, ULCC qui était déjà krasé déjà, donc yon krasé tout ça nous gagne. Par rapport à constat ça yon, Jovenel Moïse n'a pas aucune crédibilité, il n'a pas aucun espoir qui a voté pour les haïtiens pour nous dire que nous parlons tant de sa veille pour nous faire une transition avec Jovenel Moïse. Jou Jovenel Moïse arrive 7 février 2021, s'il parle de nous clé, nous allons serrer le bas pour le peuple à aller chercher. Et nous avons deuxième possibilité pour nous faire une transition sans Jovenel Moïse. Dans le cas où nous sommes là, aujourd'hui, le peuple haïtien n'est pas capable encore.
nous-mêmes qui sommes des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, des acteurs dans n'importe secteur, des acteurs religieux, ou des gens qui sont dans le gouvernement, il faut que vous compreniez que le peuple haïtien n'est pas capable encore. N'est pas capable encore. Dans la transition, nous voulons proposer là, c'est pour nous d'accord, nous venons avec des gens qui doivent de crédibilité. Des gens qui sont capables de dire aux paroles, ils croient dans la parole là, pour dire absolument non point, ils prennent l'autre point avec le peuple haïtien. Et pour arriver vers la transition, ça, nous avons besoin à ce que toute entité qui fait des propositions de sortie de crise, je réunis sur la même table et puis pour nous sortir en proposition unique. C'est travail ça, et c'est appel ça nous fait aujourd'hui à chaque parti politique, à chaque citoyen en Haïti, à chaque secteur qui est dans la vie nationale, là, pour nous capables d'assurer le peuple haïtien au plus tard 15 à 20 janvier ou au clair pour le 17 février 2021 cabinet, qui s'est fait mandat, qui s'est fait régime PHTK pour le dire mais ça va l'appliquer et mes côtés vont aller. Député, oui. C'est pas seulement les États-Unis qui inquiétaient l'érosion démocratique à Cap-Cotier en Haïti. Et un gros secrétaire d'État américain qui dit ça, qui compréhension de ça, première question. L'Église catholique dit qu'il voulait jouer au rôle médiateur. Est-ce que nous en arrivons vers ça pour capable de jouer dans la crise politique? Donc, deux questions. C'est des belles préoccupations. Je dis, on a souligné pour le peuple haïtien. Nous toujours tendez, il y a Cléoné dans la presse, et je le dis toujours à mes étudiants, et je le dis toujours à des collègues politiques, que Jean, nous-mêmes, nous avons des amis des pays internationaux, nous n'avons pas des amis, parce que dans la diplomatie, pas des amis. Chaque pays a défendu l'intérêt. Je dis, les États-Unis qui cautionnaient tout massacre, tout détournement de fonds, toute violation de droits humains, tout ça la police nationale là, qui infiltré par des bandits, tout ça qui gagne mercenaires, tout ça qui gagne à groupe Genève là, ou après international là, lui-même, il était cautionné sans pas jamais ou quoi dénoncer ce qui a passé en Haïti. Nous comprenons la logique que je dis, dans la même logique pour défendre l'intérêt pays, qui ne peut jamais être pays par nous. Yo même yo commencé à faire place puisque yo gon changement de régime la kayo pou nyan yo toujours à faire place pour yo capable à défendre même intérêt pa yo yo toujours à défendre nan nan sens ça ou pral wè que gòl groupe li même qui sous sel pays peut-être non l'autre pays qui même caractéristique avec Haïti comme pays sous développé des ambassadeurs yo arrogé yo le droit pour yo regrouper yo en syndicat pour entrer dans la gestion interne pays, pour entrer dans les affaires internes pays, bagaille que la Convention de Vienne qui ratifie les affaires diplomatiques ne pas permettre. Ils sont rentrés là et je veux dire, tout ça a été cautionné avec le régime PHTK, son régime et dictature, des dictatures, notamment, monsieur le peuple comprendre que Jovenel Moïse, il s'est un plus gros dictateur, je veux dire, que Duvalier, que les Duvalier. Parce que les Duvalier, nous avons une ambiance de dictature un peu partout dans le monde. Je dis, pendant une ambiance démocratique, là, Jovenel lui-même dit qu'il a fait une gouvernance à sa manière. Et à sa manière, là, c'est dictature, liberté, ici, là, sous territoire. Nous comprenons que la position, je dis, la communauté internationale, là, c'est place la fait à nouveau régime, à l'autre régime qui va le prendre précisément à partir de 20 janvier, là, pour eux-mêmes. Pour être capable de continuer à défendre l'intérêt du peuple américain, ce n'est pas l'intérêt du peuple haïtien. Mais par contre, nous-mêmes, déclaration qui pour bon côté Jovenel Moïse ou bien international, là, qui toujours prend en compte, supporter des actes de violence, des actes de violation de droits du peuple haïtien pour intérêt par eux, nous-mêmes, nous toujours jeter ça. Nous jeter ça et la déclaration pour le groupe, là, je veux dire, c'est dans l'intérêt pour le groupe. Fait. Par contre, déclaration ça qui inquiétait le régime PHTK, qui c'est le régime bandit légal là, nous devons toujours comprendre que nous sommes privés là. Nous avons pris un côté là où nous avons mangé et table là et respiré sous le sel, mais nous avons toujours jeté le reste là. Mais nous autres, nous avons fait appel à peuple haïtien pour prendre responsabilité. C'est le peuple haïtien qui a retiré tête financière, c'est pour ça nous clair, pour nous afficher nos propositions uniques pour dire le monde entier et le peuple haïtien, mais qui ça nous voulait. Mais qui démarche concrète pour nous avec Notre démarche,
démarche nous, Joël là, nous parler par rapport avec entité eux même qui organisé et très présent dans la crise là. En dehors de tout secteur yo, même travail nous t'ai essayé faire pour nous rencontrer chaque secteur yo. À ce moment-là, nous t'ai fait dans Oasis et nous va regarder comment encore nous capable écrire et approcher chaque acteur pour nous dire par rapport à proposition nous gain là yo. En nous joignant fond commun, en mettre tout sous table là, même si nous avons bon médiateur qui pour défendre intérêt majorité par rapport à intérêt groupe qui est très présent sous table là et que pour nous aller vers une dynamique pour nous gagner une proposition unique. Et là nous allons écrire au chat pour nous voir est-ce que nous capable venir sous table là avec une seule proposition. Démarche là c'est dit dans la presse déjà pour sensibiliser yo mais n'a marché contre avec yo pour nous capable joindre position. Dans la position avant ça secteur démocratique là te proposer pour cassation avec le premier ministre qui a sorti dans la société civile là, ou bien le premier ministre, ou bien un premier ministre sans président. Comment nous-mêmes nous voyons ça au niveau EDEM? Au niveau EDEM, nous ne voulons pas prendre position aujourd'hui sur qui est ce monde qui doit être président, qui est ce qui doit être premier ministre, parce que là, nous ouvrons la porte pour nous aller vers le consensus. Parce que nous allons vers le consensus, nous avons une position arrêtée. Nous allons, si nous arrivons autour de table, nous lancer discussion, nous lancer problématique là. La décision qui sera arrêtée par la majorité sera la décision adoptée par l'Église. L'appel de médiation de l'Église catholique, comment il dit Moël? L'Église catholique, je vous dis, nous souhaitons l'Église catholique pas présenter comme un saint en de sa guerre là. Nous tous nous connaissons l'Église catholique fait déjà. Nous connaissons mes tentatives et nous connaissons déjà. Position mythique mirezée que eux-mêmes et en pile d'autres secteurs te gagnent. Je dis, c'est pas venu comme si by position, comme si nous comprenons, nous c'est des saints, nous c'est des moutons. L'Église catholique, je pense qu'elle gagne pour le présenter. Par rapport à ça, l'Église catholique toujours représente la question de gouvernance dans le pays sous-développé, notamment en Haïti. Il faut que lui présente, excusez by peuple haïtien, pour dire peuple haïtien, je ne peux pas assister nous, là nous avons besoin d'assistance. Et de là, je suis toujours disponible à bonne foi moi pour me faire partie d'un groupe de médiateurs. Et pas lui-même seulement. Je dis, on n'a pas besoin de seul secteur venir comme médiateur. J'en ai des moins là, et l'un démocratique pour la majorité, mais un groupe de d'intermédiaires. L'Église qui va venir, l'université qui va venir, le regroupement politique, le parti politique, tout le monde qui va venir, l'ensemble de ces éléments qui a constitué intermédiaire là entre le pouvoir, la communauté internationale, la société civile et donc le peuple qui est administré pour nous jouer une solution unique qui capable tout le monde, qui capable tout le monde assurance que catastrophe qui a fini 17, le 7 février 2021, il n'y a pas une catastrophe qui va tuer la vie nous toutes et nous pas doué résigner nous faisons pour nous faire des propositions et pour nous camper comme un seul homme pour nous dire mais comment nous voulons.